on va faire quelque chose de très spécial. On va faire le Tide Pod Challenge. Mais quoi bon faire quelque chose dans la vie sans un bon verre de vin? Aujourd'hui, l'invité qu'on a avec nous, c'est Kevin Marquis. Mais il semblerait qu'il a déjà commencé le challenge sans moi. Donc, je vais aller appeler l'ambulance. À la prochaine! Aujourd'hui, là, on fait un challenge qu'on a vu sur Internet. On va jouer Roche, Papier, Ciseaux. Celui qui perd doit boire un verre de caca. Oh shit! Oh shit! Oh, fuck, je veux vraiment pas perdre Julien, ça. Julien, t'es-tu prête? Oui, je suis prête. Ok, ok. Roche, Papier, Ciseaux. Ah! T'as pas le choix, Julien! Oh, je veux pas Julien. Boire du caca, man. Ah non! Tu t'en du caca! Ok, man. Ok, j'y vais, man. J'y vais. Oh, man. Au fond, c'est pas si drôle puisque nos existences sont risibles et misérables. L'amour dure juste 3 ans. Québec, un pays. Non, ouais. Québec, un pays. T'es drôle, Julien. Non, le Québec sera jamais un pays. Ouais, fait que c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Mais, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais non, mais c'est pas ce que tu penses là. T'écoutes des vidéos carbone? Mais non, mais non, mais arrête là, ça va là. Tu m'as dit que t'allais m'attendre? Quoi? Ouais, je regardais simplement un petit peu là, hein. Stupide! Oh! Tu m'as menti? Je suis tombé sur Gaboum! Mais ça se fait pas, des choses comme ça! Non, ça va, ça va, c'est fini. J'ai beaucoup de choses. Ouais? T'es un BD? Non, je suis pas BD. Je suis pas BD moi! Moi, je suis pas BD là, hein! Je suis pas BD, ok? Salut les potes, on se retrouve cette semaine pour faire un épisode de Faire un beat avec. Cette semaine, je fais un beat avec une patate et un cadavre. Bon, je me suis dit, avant que la police débarque, autant faire un beat avec ce cadavre. Le corps étant encore chaud, j'ai pu intégrer des sons secs, courts et ronds que j'ai pu moduler en ce que je voulais, ce qui m'a donné une rythmique que... Oh putain, on s'en fout, on veut juste le beat. C'est la police, ouvrez. On est double jump, puis ce sketch-là, c'est un prétexte pour tester nos effets visuels. Nous autres, on est Studio Mercaz. On est ici pour rendre les choses encore plus fuckées. La preuve, on est en chess. Quoi? Pis en quoi c'est tant fucké que ça? Ben, mon épaule, c'est ta face. What's up? Ici Fred Bastien, le meilleur animateur web du Québec. Aujourd'hui, je vais parler avec mes mains pour captiver votre attention et parler de quelque chose qui va vous intéresser vraiment. Le top 1 des Insta Stories à suivre sur Internet. Numéro 1, Cam Grande-Brune. C'est le week-end! C'est le week-end! Aujourd'hui, j'ai reçu 15 boîtes de cosmétiques et on va les ouvrir ensemble. Je sais que c'est pas beaucoup, mais on va faire avec. Bonjour, bonsoir, bande de bitches! Ici Madiba, votre dictateur incontesté et le Pussy Slayer! Aujourd'hui, nous allons faire un concept qui a été déjà fait et refait par les Français. On pourrait se demander pourquoi je fais ça? Pour les vues et les YouTube monies, man. Tout pour la YouTube monies! Tout pour la YouTube monies, yeah! Le jeu, c'est sérieux! Bonjour à la maison, je m'appelle Giz. Et moi c'est Laurent. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fabriquer une console à partir d'une patate et de Lego pendant que Laurent va jouer à un jeu ennuyeux des années 80. Mais là, Giz, explique-leur un peu plus à la maison, là, t'as rien dit, ils comprennent pas, là! Ils comprennent pas quoi? Ben là, quel jeu qu'on va jouer, Giz? On s'en crisse? Bon! Bonjour tout le monde, je m'appelle Steelhorse. Bienvenue dans cet épisode où je vais vous parler d'un jeu qui va révolutionner vos vies. Mais avant de parler de ce jeu, je tiens à vous dire que je vais utiliser cette voix de vendeur et puis je vais légèrement changer mon accent afin que la communauté française comprenne mon putain de merde d'accent québécois. Nous allons jouer à Minecraft. Hey, c'est encore moi, Fred Bastien, le meilleur animateur du Québec. Vous avez aimé les imitations que Gaboum Film a faites, hein? Comme on dit, on taquine ceux qu'on aime, ben c'est ce qu'ils ont fait. Donc, si vous voulez voir la liste des YouTubers qu'ils ont imités, c'est dans la description. Je vous invite à aller les voir et surtout à me suivre. Puis Gaboum Film, si vous avez le temps.